Salut tout le monde, c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Hearthstone, le mode héroïque qui pour une fois je ne le fais pas en live sur Gaming Live, je le fais un petit peu en cachette. Chut. Allez, c'est parti pour Zaphiron. Toujours le fameux deck mono-cible qui est toujours là depuis le début, qui m'a rendu un tas de services, donc on va le garder. Let's do this. Son pouvoir de Zaphiron n'a pas changé. Très joli cri. Je dois protéger la nature. Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et c'est la main parfaite. Ouf, ça pique. Et là, en fait, il nous donne pas le bonhomme. Oda. Comment tu fais? Oh, c'est déjà chaud avec la main que j'ai. Mais alors en plus, est-ce qu'il nous la donne un peu plus tard ou est-ce qu'il nous la donne quand il arrive à 30 points de vie, ça se trouve? On va tenter. Travail terminé. Je veux savoir s'il nous en donne un ou pas. Sinon on va mettre que des monstres charges et puis... On va le défoncer. Des guerriers, hein. Vas-y, tape sur le bonhomme. Faut des monstres à râle d'agonie sinon quoi. Les œufs de Nérubien, tout le tralala. Ça peut être cool, ça fait du 4 de dégâts. On va tester un deck comme ça. J'avais fait un deck guerrier ou pas? On va refaire. Donc, âge de guerre. À la limite, Kel'Thuzad aurait pu être intéressant, mais comme il meurt aussi, c'est chaud. Donc,
sont où les œufs de nérubien là-dedans? Ils sont là. Ok, on est à moitié. Qui a un sabot de sang. Est-ce qu'il marche, le chevalier? On va le tester. On peut faire combien là? 3, 6, 6, 6 et 8, 14, 14 et 12, 26, 30, 34, 39, ouais, on a largement de quoi, on a largement de quoi enlever 45 points de vie. Le but, c'est qu'il va falloir lui enlever plus rapidement que qu'est-ce qu'il nous enlève, quoi. En gros, si soit ça, ou soit c'est un match secret. Ou chasseur, quoi. Chasseur lâcher les chiens. Avec les charges. Bam. Sur un combo. On lui enlève 2 points de vie à chaque tour. Ouais, ça doit être passé avec mage, chasseur et... Vocation, roi d'agonie, ça reste pas. Bah logiquement, ça passe pas, hein, parce que détruit tous les serviteurs qui ne sont pas gelés, même si vous avez, ne peut pas être la cible de sort ou de pouvoir héroïque. On va les mettre au cas où, il nous reste 4 cartes. Zou. Charge. Bien. Entrée. Voilà, c'est pareil. Hein. Ça, ce deck-là, il passe. Ça dépendra juste du tirage, quoi. Si on chope l'early, le mid et le late game, tout passe, quoi. Salut, Karou. Bon, c'est bien, on va pouvoir tester ça. Ça servira plus tard. Bon, en espérant que ça marche. Au moins, on va être tout de suite fixé autour d'eux. Si, je suis fatigué un peu, mais... Alors, ça marche ou ça marche pas ?
Ouais, logiquement, mais la dernière fois, ça l'a fait la même chose, et puis pourtant, les persos comme ça, ils étaient immunes, quoi. Donc bon, faut savoir, quoi. Oh là là, on n'a pas d'armes. C'est pas bon du tout, cette histoire. Ça sert à rien, j'ai 4 cartes inutiles. Évidemment la plus puissante. On a, chopé le late game. Hein. C'est chaud. Ok, bon, on va retirer les 4 cartes. On va essayer de mettre les murlocs. Je peux faire un jet de besoin. Voilà, ça va être question de tirage de toute façon. À chaque fois, c'est le même principe. Si on y arrive à l'avoir dans le bon sens, c'est bon quoi. Et si je mets ça, le cri de commandement, ça peut aider aussi, non? Vos serviteurs ne peuvent pas passer, ça les immune, je crois. On va tester, tentons des trucs. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai envie de rajouter un petit... Oh, ça sert à rien. Je pars sur tout et n'importe quoi. Alexstrasza est pas autorisé. Ah, le but c'est de le charger dans l'ordre quoi. Si t'as tes charges early, les charges mid, les charges late, t'enchaînes quoi. Au moins cumuler les charges avec les armes à chaque fois. Oh là là, c'est moche ça. Ok, c'est pas mal. Tu le mets en jeu, elle est détruite avant de mettre son cri de guerre et en prime tu te fais taunt par quête tu zades, d'accord. Ah non!
Je peux faire un jet de besoin. Allez, il nous faut de la pioche. Ils auraient pu au moins lui faire coûter un, ce truc là, quoi. De la pioche, juste un coup, j'ai amélioration, je peux me permettre. Ok, c'est à partir de là que ça va être la course. Hein. Rage me tâte. Fais pas ton petit slip. Allez. Allez, encore un. Voilà, on va pouvoir sortir la baston et on va croiser les doigts que ce soit une worm qui reste. Ça va pas être joli joli à voir. What? C'était quoi ça, attends? Inflige 8 points de dégâts au héros et le gel. Ah, mais c'est n'importe quoi. Ceci est du grand n'importe quoi. Ça, si je pioche mes trucs d'armure, ça va aller, mais sinon... C'est pas possible. Putain, mais j'ai tellement de quoi de buter, quoi, s'il me gèle pas, quoi. Pour le roi Lich. Oh non. Je peux faire un jet de besoin. Truc d'armure, s'il te plaît. Vas-y, sois gentil. Ah, ça cale. Ah oui, c'est juste un truc là, je pourrais l'avoir quoi. Je pourrais l'avoir quoi, c'est ça la tristesse. J'aurais eu mon truc d'armure ici. Dommage. C'est dommage les gars. C'est dommage. On peut encore tenter un truc. Ah non ! Je l'ai tenté. C'était le seul moyen quoi. Avec la haut et tout, en détruisant l'arme, ça pète et tout. Et du coup, il reste plus qu'une créature. Et du coup, il me restait un point de vie. Un point de vie, mais non, c'est... Derrière, ça passe pas. Ah, le problème du gel, c'est fatal. Oh, ça doit passer. Ça... Et...
Faut juste choper le bonus d'armure. Peut-être mettre des créatures qui heal au final. Bon, c'est pas si c'est rentable. Ah, puis je commence à fatiguer en plus. La victoire ou la mort. Ouais, ça c'est bien, mais... Et le deck contrôle, c'est sûr, avec Alexstrasza, tu dois te faire plaisir, parce qu'il pose pas tant de monstres que ça, quoi. Ah, le héros gelé ça pique, hein. Du coup on va switch sur mage ou chasseur après. À 16 points de dégâts en plus, hein. En plus gel quoi, deux tours gelés. Oh là là, c'est quoi cette pioche de merde? Lui par contre il met du lourd. Oh là là, c'est foutu. J'ai pas grand chose à faire. De Naxxramas c'est pété hein. Vous avez vu en plus comment il les joue mal. Pourquoi va y en avoir dans tous les decks, je le sens. Chasseur. Si je joue full piège, on verra bien ce que ça donne. Avec une arme, ça peut passer aussi. Hein. Oh, ça fait quoi, 30 minutes à peine? Moi déjà. Le deck secret. Oui, il est pourri ce deck, mais on verra bien. Il s'est rempli plus vite que je ne le pensais. 30 cartes, ça a été vite. En deck chasseur, à chaque fois, tu prends que du chasseur. On va juste jouer à l'arme, voir comment ça se passe. Mais on peut pas mettre d'armure, donc... En espérant tenir suffisamment longtemps. Que la traque commence. Oh, main de merde.
Oh, il commence. C'est violent, ça. Puis là, il manque qu'il y a un 2. Que moi qui ai des pubs, non. C'est pas bien, Adblock, voyons. Ah, dommage que je pouvais pas le mettre. C'est pas possible qu'il y ait de la pub. Vous ah ouais, comment ça se fait qu'il y ait de la pub? Attends, what? Le corps d'un homme. Ah, mais attends. Je crois savoir parce qu'à partir d'une heure du matin, il y a les pubs automatiques. Attendez, je vais tenter un truc. J'ai actualisé. Est-ce que c'est mieux là ou pas? Ok, j'ai actualisé, mais j'espère que ça va tenir comme ça. Ah non. Pas mal. Bon, le piège à serpent, je l'ai mis, mais je me rappelais plus que c'était quand c'est un de mes serviteurs, et comme j'en ai jamais... Je peux faire un jet de besoin. Non, pas le gel. Faut des secrets, là. Oh. Ça peut le faire. Mes autres trucs. Oui, ah oh, GG. Dommage, je pensais pas. Finalement, ouais, ça peut se mettre en combo avec ça, quoi. Je tente tout de suite où je fais le combo. Allez, combo. Ça peut le faire, les gars. Ça peut effectivement passer. Avec un petit coup de bol. Ah non, ça passe pas. Sauf si je tue. Oh. Vous me rejoindrez tous dans la mort! Je peux enlever 2, je peux enlever 4, c'est tout quoi. Putain, mais c'est dommage de faire un truc où s'il y a que les mages qui peuvent passer, c'est relou. Peut-être prêtre en tenant avec le...
prête au timer, quoi. Et de toute façon, je pense qu'il en réutilise une deuxième, regarde. Ah bah non. Non, l'arc c'est 5 points de dégâts. Et je peux pas, je suis gelé de toute façon. Deuxième chance. De quoi il m'en manquait deux. Ah mais c'est le gel qui est chiant en fait. Du coup c'est pourri de mettre qu'un truc où tu peux utiliser que la magie. Ah, peut-être un combo, parce que ça va peut-être sortir différemment là ce coup-ci. On va peut-être le laisser mettre plein de créatures. Ouais, peut-être pas quand même. Ouais, mais j'étais gelé, ça changeait rien. Il aurait resté que 5, il aurait resté que 5 et je l'aurais buté de toute façon, mais j'y pouvais pas. Le nombre de Naxxramas, c'est tellement relou. Je chasse seul. Ah, GG ça. Oh, GG ça. Il me faut en lâcher les chiens. Pour le roi Lich. Allez, s'il te plaît. Oh, je sens que je vais pas l'avoir si je fais un tir meurtrier.
Mais je vais lâcher les chiens, bon sang. Ou alors je le tente avec l'âme des cartes et tout, quoi. Putain, de toute façon, si je prends jamais de risques... Voilà ce qu'il nous fallait pas. Déchette. Ça, ça va piquer. Dans tous les cas, je perds mon arme. De toute façon, il a deux cartes pétées qui enlèvent 16 points de vie, quoi, donc... Vous me rejoindrez tous dans la mort! C'est pas mort les gars, c'est pas mort. Et là le givre. Un truc des savanes là, s'il te plaît. Un petit truc des savanes. Allez, pitié, la famille. Tu connais là, toi-même, tu sais. S'il te plaît. S'il te plaît. Non. 3, 4, 5, 6, 7. Oh putain. Il va me la mettre, son putain de sort. Il l'a pas parce que je pense qu'il l'aurait joué. Mais je suis sûr qu'il va le piocher. Je peux pas voir ça. Je vois pas, je regarde pas. Ah ah, yes. Bon, je vais couper cette partie de vidéo-là parce que c'est intéressant. Donc j'espère que cette première partie sur Zafiron vous aura plu. Je vais vous faire une vidéo spéciale pour Kel'Thuzad parce que c'est quand même les deux boss de fin. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Ciao !